Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette journée spéciale Disneyland Paris, spécial Avenger Campus. Les animaux. Spécial soleil, spécial 30 ans, spécial tout. Vous allez voir, elle va être très longue puisqu'il est déjà 8h30, ouverture de Walt Disney Studios. On se fait une petite dot et les ensuite, animaux. On découvrira le campus comme prévu à partir de 12h30 avec plein de choses à vous montrer aujourd'hui. Grosse journée, c'est parti. Et comme à l'habitude, on a le boss, le big boss qui nous dit bonjour. Regardez-moi ça. On commence à voir l'ouverture de comment sera la zone quand tu auras plus les palissades. Oh, ça va être magnifique. Il y en a qui croient, je pense qu'ils veulent accéder juste avant la queue. Ah, j'ai hâte. J'ai hâte. Bon, pour le moment, tout est à 5 minutes. Mais comme vous le verrez, oui, sauf Crush, comme par hasard. Mais ça va bientôt être blindé. Il y a même pas 5 minutes, non? Et on commence par la magnifique Hollywood Tower Hotel. Notre bébé. Et d'ailleurs, à savoir, en ce moment, je joue à Marvel Gardien de la Galaxie, le jeu là. Et en vrai, c'est pas trop mal. Et justement, pourquoi pas, je me dis, pourquoi pas changer de thématique. La fameuse ambiance qu'on adore. Et donc voilà pour la petite tot qui fait plaisir de bon matin. Et ben voilà, PM est ouvert, mais on va essayer de se faire BTM là, encore pendant les EMH et Space. On verra en fonction. De toute façon, comme je vous ai dit, notre créneau pour le Avenger Campus est à 12h30 et on a PIM le restaurant à 14h30, je crois. 14h. Allez, c'est parti! Le parc Disneyland! Tap a little harder, sing a little louder now. We gonna dance a little further. Avec Mickey qui s'est vite changé, qui est arrivé ici. The future is so much more. Voilà, on attend bien la minute. Magnifique, quel accueil, c'est magnifique. Bon. Plaisir. Toujours sympa, hein. Et ensuite, on essaye Space et on voit. Space Mountain, de la Terre à la Lune. Ah non, ça c'était il y a 20 ans. Direction Hyper Space Mountain. Il y a un petit air frais encore qui est là, donc. Qui est apparemment encore à 5 minutes. Et il fait pas trop chaud pour le moment, comme dit Alex. Mais on a tout prévu au cas où. Ça montrait trop fort. Hyperspace Mountain. Ah, y a pas de dieu. Chasseur ennemi,
content, ça fait plaisir hein, ce petit space en first. Cet effet de vitesse. Ouais, c'est vrai qu'il y a cet effet de vitesse. Mais après, je trouve qu'en last, justement, pendant le looping, tu vas plus vite, puisque tu redescends et donc t'as plus de vitesse. Après, là, il était pas très chaud, je crois. Ouais, mais ça va, c'est sympa, ça va être dur. Et du coup, voilà pour Space, on va aller prendre un petit café et se mettre en place pour le show de 10h50. Ready for the ride. Ça va être magnifique, avec ce soleil. En vrai, je l'ai pas filmé beaucoup, donc ce sera l'occasion. Et c'est parti, nous sommes sur Central Plaza. En attente, avec une vue magnifique sur Main Street pour le show, avec la plupart des guests qui arrivent. Franchement, c'est magnifique. Et voilà pour le petit spectacle. Et du coup, on enchaîne sur Pirates des Caraïbes qui se remplit du coup progressivement puisque tous les guests avaient été stoppés par le show. Mais pour le moment, on n'est pas trop mal niveau temps d'attente. Ça devrait se gâter plus tard, mais on a pris 10 minutes. On va voir. 10-15 minutes, mais ça devrait le faire. Et donc voilà pour Pirates des Caraïbes. Et sur la gauche, nous avons épisode 114 des guests incivilisés qui grimpent sur les rochers. Le mec qui s'est cru à la plage en fait. Non mais allô. Enfin bref, on va essayer de se tenter un PM et ensuite on ira rejoindre les WDS pour aller au campus justement. Aujourd'hui, on a sorti les petits pins, hein, tous les nouveaux pins, journée pins. Et puis on verra le merch de Avenger Campus aussi. Mais je viens jamais ici, tu le sais. Je veux goûter la glace. Je viens clairement jamais ici. Le café de la brousse. Ou alors c'est parce que c'est fermé tout le temps. C'est vrai que c'est une vue que je prends très rarement. Café de la brousse. Tu vas débroussailler. Bon, on m'a tenté pour le petit Pineapple Whip. On va tester aussi. Là, on est dans le thème vraiment des 30 ans. Ce Pineapple Whip, vraiment amazing. En plus, petit café de la brousse. Bon, je teste un truc. Je vais essayer de la goûter en direct avec vous, comme ça vous aurez la vraie réaction. Il n'y a rien qui va nous connaître. Presque la vraie réaction. Mmh. Et bah, c'est vachement bon. Mmh. On dirait qu'il y a vraiment des morceaux de fruits. Par contre, ça coule. Hein. Ah, ouais, c'est grave bon. Bon, ben, recommandé. Hein. Bon, ne donnez pas à manger aux animaux, mais ça y est, ramène tous leurs copains. Là, il y en a 40. Bon, après cette petite glace, nous allons nous diriger vers les studios pour l'aventure du jour. Et je vous retrouve directement. Veuillez anticiper votre arrivée. Au World Disney Studios, puisque nous anticipons notre arrivée. A tout de suite. Et donc voilà, l'entrée pour les guichets aussi, on me demandait les guichets pour avoir des billets, eh bien vous passez sur la droite des studios. Donc ça a été prévu, mais comme ça vous récupérez les billets privilèges juste ici. Et je rappelle, pas de vente de billets classiques sur le parc, c'est uniquement sur internet. Et les guichets là ne servent que aux passes privilèges ou les cartes PMR handicapées. Donc c'est parti. Bon, et eh bien voilà, les portes du bonheur, le recrutement commence aujourd'hui pour nous. C'est bien, on est pile à l'heure en plus, 12h30, c'est parfait. C'est l'idéal. Et messieurs dames, c'est parti, la découverte Avenger Campus. Yes, bonjour. La tote de cette vue. Ah ouais, la tote, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu cet emplacement. Avenger Campus, tout est magnifique. Et la musique magnifique. A savoir que, je précise, je ne me suis spoil sur aucune vidéo. Donc tous mes avis que vous verrez aujourd'hui, c'est full moi direct. J'ai vu aucune avant-première, aucune vidéo Insiders ou autre. Sympa. C'est rigolo. C'est rigolo. Très stylé. Et donc nous y sommes, le campus Avenger.
toute nouvelle zone avec Web, Pim, juste là, avec une zone de rencontre personnage. C'est magnifique. En vrai, l'ambiance du land est impressionnante. Ça fait moderne. Ça fait comme si cet arbre-là, comme s'il avait toujours été là. Alors qu'il vient d'être mis, j'ai l'impression. Et il y a Ant-Man, juste là. Très stylé. Très stylé. Regardez-moi ces décors de Web. On a triché, mais. Avec porte ouverte, open house, véhicule démo. Parce que du coup, c'est le centre de recrutement de campus, quoi. Campus parisien, c'est magnifique. Avec Pim, et là, une particule Pim géante. C'est vraiment, vraiment beau. Et il y a un Spider-Bot par terre, non mais what? C'est impressionnant. Bon, première impression, magnifique. Le land, impressionnant. En plus, avec le Queen Jet au bout, c'est incroyable. J'ai vraiment hâte de tout. C'est magnifique. Tout est nouveau, tout est beau, tout est splendide. Attends, mais t'es devant moi. Impressionnant. Voilà le Pim Labs. Et donc voilà, dans la continuité, on a Pim Kitchen qu'on testera à 14h. C'est incroyable. Waouh. Bon, du coup, première attraction du jour, on va tester World Engineering Brigade Web. 5 minutes d'attente. Non, par contre, go analyser la file d'attente. Go analyser. Mais je vais quand même en profiter là. Et je vous la refilme juste derrière. Sans déconner, je vous fais pas du react. On va passer après moi. Mais la file est impressionnante. On a pas fait la file encore. Mais non, mais le peu que j'en ai vu. Ah oui. Mec, je me suis pas spoil avant cette journée. On est dimanche. Il y a déjà eu des vidéos qui sont sorties. J'ai pas spoil. Dis-moi. Quand il y a du monde, oui, elle a l'air insupportable parce que ça tourne et je pense que là-bas, ouais, ça tourne aussi. Le 20 juillet, ils sont morts. Regardez la file. Insupportable. J'avoue, cette file-là, c'est que du aller-retour. Tu peux t'amuser. Dis-toi, on est sur les traces de Armageddon à l'époque. Mais là, il n'y a rien en plus, c'est mort. Par contre, là, je suis d'accord, vous auriez pu mettre des décors un petit peu. Il n'y a que dalle. Mais y'a que dalle, mec, tu mets une télé avec une animation, tu mets un truc. Là franchement, moyen. Parce que ici, quand ce sera plein, ça va être chiant. Et ça continue là la queue. Ah là y'a des affiches, voilà. On va pas critiquer, là y'a quelques affiches. Donc c'est bien, ça permettra de lire. Oh là là, et la queue elle continue dehors. Je vous dis le 20 juillet. Bonne chance. Et après, il y a toute une storyline qu'on peut lire, mais je pense qu'on aura largement le temps de tester ça. Tiens, justement, Peter Parker. Et ça, c'est les véhicules, du coup, qu'on aura à l'intérieur. Mais on aura largement le temps de le lire. Oh, ils ont prévu combien de temps? Et la queue continue. Mais c'est un truc de ouf. Ah, là, c'est joli. Là, c'est bien décoré, on va s'avouer. Porte ouverte, venez essayer le nouveau Web Stringer. Oh là, la file est belle. Ici, elle est jolie. Là, c'est vraiment stylé. Waouh, mais c'est impressionnant. Là, c'est tout après. Tu sais, façon abîmée comme dans la. Ah ouais, c'est stylé. Bah, j'avoue, ça coûte pas cher à faire. Mec, c'est ça. Ça coûte pas cher à faire et puis c'est. On est pas à Paris. Waouh, mais on se croirait aux États-Unis quoi. Ah, c'est fou. 5 minutes commence là, les amis. Waouh. Magnifique. Donc là, on est dans ce qui semblerait le dispatch du pré-show, à droite et à gauche. Vraiment, vraiment joli. Hein. C'est vachement stylé. Bon, eh bien, voilà pour Web, incroyable attraction. On en fera le débrief. Juste en face, on a Flight Force, du coup. Magnifique aussi, avec ce land vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. C'est magnifique. Et là, on a la petite animation de Thor qui va commencer. Et on aperçoit la tête derrière, qui nous rappelle qu'on est quand même au studio et pas aux États-Unis.
Parce que non, sur tout le reste, franchement, on en a la pression. Avec moteur action derrière. Et donc Flight Force. Bonjour. Avenger Flight Force. Nous sommes sur les traces. J'ai beaucoup de photos du coup. Sur les traces de Rock'n'Roller Coaster. Et après, on aperçoit, voilà, bien vu, on aperçoit Air Slicer au loin. Qui nous rappelle qu'on est quand même au Walt Disney Studios. Et là aussi, j'avoue, franchement, ça à dire. C'est très très bien thématisé. Putain, c'est le. Oh, y'a Thor! Regardez-les là! Et y'a Loki! C'est l'interaction. Oh, c'est ouf! Et le Queen Jet derrière. Magnifique. QG Avenger. Mais c'est génial! Waouh! Et là-bas, le Gravity Building comme à l'ancienne. C'est impressionnant! Oh my god! Et y'a que 10 minutes! Oh, c'est fou! QG des Avengers. C'est bon. Entrée à droite. Bon, ce qui est bizarre, c'est qu'on passe par la file Single Rider. Donc je sais pas si on va quand même avoir le pré-show. Mais j'ai l'impression que non. Ah oui, le pré-show est là. On fait pas les choses à moitié ici. Continue. Le pré-show est en panne, on dirait. C'est parti. Allez, vas-y. Je déteste. Faire Avenger Flight Force pendant que Friday est en train de parler. Je sais pas si vous m'entendrez bien. Petit débrief à vif, hein, parce que je m'étais pas spoil. 2-1, on vient de faire la première fois l'attraction, on n'a pas eu le pré-show parce qu'il doit être en panne. C'est un petit peu dommage parce que du coup on n'a pas eu l'univers et l'arrivée dans l'ambiance et dans le ride. Donc, bon, ça c'est pas de leur faute, en panne à la rigueur. Mais l'attraction, c'est de la merde, vraiment. C'est-à-dire que t'as juste trois écrans, maintenant il fait noir et sinon c'est rock. Rien n'a changé. Même vitesse, même train en plus, juste rethématisé. Et sinon t'as trois écrans avec Iron Man dans les oreilles qui te fait allez, on tourne à gauche, allez, on tourne à droite. Non mais c'est pas forcément. Personnellement, l'attraction, pas ouf. La file d'attente, elle a l'air jolie et l'ambiance est belle. Le cadre est joli. Mais tout ça juste pour rethématiser rock. Alors que rock, c'était de la musique, il y avait de l'ambiance, il y avait des trucs. Là, je suis vraiment, vraiment, vraiment perplexe comparé à Web, qui est une pépite. Vraiment incroyable. Donc, on verra. Je vais le refaire plusieurs fois. Peut-être qu'à force, on aimera. Mais Web, c'est vraiment beaucoup mieux, quoi. Après, voilà, l'univers du Land, là, est vraiment joli, quoi. L'ambiance. Magnifique. Et juste à droite, j'en avais pas parlé, mais on a Stark Factory, un des spots de restauration où vous avez des pizzas faites maison, sur place, unique à Disneyland Paris, et donc très stylé. C'est vrai, souvenez-vous de l'époque de Backlot, où ici c'était que du béton, il n'y avait pas beaucoup de plantes. Maintenant il y a eu un travail de végétation vraiment impressionnant de fait sur les extérieurs, avec beaucoup de plantes. Et une intégration vraiment impressionnante, digne justement des États-Unis comme on le disait. C'est vraiment très joli. Et j'ai hâte de voir le petit show s'il y en a un là. Et du coup par moment on a des petits événements comme ça avec la voiture. Il y a un nom spécial pour cette voiture. C'est la voiture qui amène les Avengers justement. Du coup là elle va repartir. Resetting systems controls. Okay, all clear. À savoir que là on a acheté beaucoup de choses dans le ouais, mission équipement, mais les réductions pass, donc Infinity, Magic Plus, Cast Member, ne sont pas applicables aujourd'hui, donc c'est un petit peu dommage parce que je vois pas pourquoi aujourd'hui ce serait différent. Oh, il y a une animation. For image scan, please. All tripwires remain on.
Donc voilà, après ce petit Flight Force, direction PIM. Avec ce canon réducteur PIM, vraiment joli. Avec le canon réducteur en face. Ah, le Spider-Bot. Incroyable. Et donc nous voici à table au PIM. Chez PIM, c'est magnifique. Regardez déjà ces petites fioles sur la table. L'expérience est impressionnante. Les castes sont super gentils. Ils sont tous très avenants avec des blagues et tout, de l'interaction pour te mettre dans l'univers. Waouh! Les castes, bravo, 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 bravo. Tous les castes qu'on a eu pour le moment, ils sont vraiment incroyables sur le campus. Donc, c'est impressionnant. Et il te met dans l'ambiance. Mais là, j'ai l'impression d'être dans vraiment un film Marvel avec le restaurant, les particules de PIM et tout ce qu'il propose. C'est vraiment impressionnant. Donc, je vais vous montrer tout ça sur la table, mais magnifique. Et donc. Salade César et ses croutons énormes. Ça, c'est les petites entrées. La maillot bleue. Oh là là, c'est dingue. C'est incroyable. Et le gazpacho dans des petits pots là. Et donc, nous voilà avec la première assiette d'entrée. Il y a un peu de tout. Du jambon, du guacamole, du houmous incroyable. Et là, on a la maillot bleue. Est-ce que juste vous avez déjà vu une crevette avec du bleu comme ça? Je sais pas si on se rend bien compte, mais c'est de la maillot. Mais what? Du colorant comme ça dans le fond du truc. Et en vrai, la mayo est super bonne. Passer le cap de tu manges un truc bleu, c'est super bon. Waouh, incroyable. Et donc voilà le petit cocktail qu'on a reçu. C'est du 500 ml en plus, normalement. C'est une sorte de spritz avec le petit bretzel géant sur la table qui sert de pain, du coup. Et cette vue qu'on a sur web. Bon, le bretzel est magnifique. C'est vrai que je vous parle beaucoup sur ce restaurant, mais il faut le dire, c'est l'événement du jour, c'est le campus et c'est l'expérience. Donc réservez PIM, parce que pour vivre l'expérience, c'est exceptionnel. Et le bretzel, sur place, il est fait sur place, ça se voit, il est magnifique. Et là on a le bretzel géant et le hot dog géant. Ça c'est du service. Merci. Yes. Le goût de hot dog magnifique. Merci beaucoup. Non, allez-y, d'accord. Je ne vous dérange pas. Impressionnant. Comme ça vous va, c'est parfait. Et donc, alors que Spider-Man est là-bas en train de faire son show, on est au plat. Avec des haricots verts très très verts. Regardez la taille du haricot vert. C'est incroyable. Et on a une part de burger géant. La taille, le burger faisait cette taille là, vous l'avez vu. Et là du coup j'ai une de ces parts. C'est juste impressionnant. Et le hot dog géant aussi. Vraiment. Et Spider-Man il est là. Regarde-le. Par contre on est à Walt Disney World. So cool to be in the United States to check that with you guys. So amazing. Et donc c'est l'heure du fromage. Oui, des vinaigrettes. Paper Jack, huile vierge de pépin, vinaigre. Il y a un choix d'huile. Oui, il rempote pas trop. Et on termine avec des petits desserts, des farandoles de dessert, un mini Oreo. Mais je sais pas si vous vous rendez compte de la taille, genre comparé à ma main, c'est un mini Oreo. Impressionnant. Une tarte au citron, une fraise géante coupée en petits bouts. Incroyable. Et encore une des animations qu'on a sur le parc. Donc après PIM, nous sommes de retour dans le parc et dans le land qui est beaucoup plus rempli que ce matin, je trouve. C'est pour ça qu'il y a un peu plus de monde aux attractions. Donc on va en profiter pour faire 2-3 photos, refaire les attractions. Et puis voilà, il fait archi chaud, j'avoue, il fait archi chaud. Là c'est le côté gauche du coup, avec le web Eating Brigade, qui propose du coup, oh des Shintao, t'as vu c'est drôle, de la Shintao. C'est de la nourriture expérience en bouillon, avec des bols de nouilles, un peu style asiatique.
très stylé, hein. Très très stylé. La gamme de produits là, avec la petite référence du film. Shower my Villas. Et puis on a Motor Action derrière, caché, bien caché en vrai. Les docks derrière et l'arrière de la tote. Et on arrive à l'ancien dinner qui a survécu. Qui a survécu, le seul truc qui a survécu. Le vrai dinner américain. Qui est toujours ouvert d'ailleurs. Bon, et ben on va aussi aller visiter l'intérieur de Stark Factory. Qui est ça, unique au monde. Donc comme je vous disais tout à l'heure, qui sert des pizzas, des pâtes et des desserts sur mesure. Et on va aller voir ça. Waouh, avec le Marc Campus Expedition Hulk Buster. Il est vraiment stylé, hein. Avec tous les câbles. Et donc voilà l'intérieur du bâtiment, vraiment stylé aussi, hein, avec les nouvelles pattes. Et là on arrive du côté du bureau de Carter, j'ai l'impression. Et tiens d'ailleurs, bah, y a la map que j'ai achetée là. Et là c'est en mode bureau. Avec Carter et Captain America. Très stylé, hein. Je voulais prendre un moment pour vous souhaiter la bienvenue à vous, nouveaux membres de notre équipe. Bon, et bien voilà, je vous retrouve du coup sur le parc. On a fait plein de fois les attractions. On a refait une fois web. Je sais plus si je voulais filmer. En fait, je sais plus où je vous ai lâché. Tellement on a profité là. Il est 18h. On a fait au moins 3 fois Flight Force, qui est pas mal. D'ailleurs, je l'ai refait en mettant la musique de Rock and Roller Coaster et c'est exactement pareil. Donc si jamais vous avez des écouteurs et que vous avez du temps à perdre et qu'il n'y a pas beaucoup de monde parce que quand même il faut profiter de l'attraction, bah mettez le son de rock dans les oreilles, c'est génial. Parce que ce qui manque vraiment à Flight Force, c'est une musique, hein, et un peu de visuel. Mais sinon la file d'attente je la trouve très jolie et l'ambiance est bien en vrai. Mais bon, le ride en lui-même est un peu chiant, on le connaît et puis c'est juste 2-3 écrans, ça parle et voilà. Bon, et bien voilà, nous quittons Avenger Campus. Nous sommes allés à 12h30, il est 18h. Et comment dire que c'est rentable et vraiment stylé. Du coup, on va retourner dans le parc principal. Peut-être se faire une tote, prendre un petit Starbucks et aller dans le parc Disneyland pour voir la suite de la journée avec Ilu et quand même refaire d'autres attractions plus classiques. Et du coup, c'est parti, nous sommes de retour au parc Disneyland. Bon, un petit peu claqué, je vous l'avoue, hein, mais on continue. Il y a combien à caser? Je ne sais pas. Il y a 15. Eh bien, on va peut-être faire caser Junior, parce que je sais que c'est votre attraction préférée, messieurs, dames. Les petits loulous. Voilà, je vous ai jamais appelé les loulous, c'est les loulous. Et donc, c'est parti. Vous êtes des loulous, maintenant. Ah oui, oui, oui. Donc, c'est Villebrequin qui dit loulou. Ah, elle est super. Donc... de retour, Disneyland Park. A savoir qu'il y a beaucoup moins de monde. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'il n'y avait que des gens dispo pour le campus aujourd'hui. En tout cas, c'est beaucoup plus calme, apaisé. Et on apprécie beaucoup le fait que ce soit plus calme. Voilà. Et du côté de City Hall, vous avez les plans disponibles. Si jamais vous connaissez mal le parc, et ils sont de retour en version papier. Après, il y a toujours l'application, mais c'est toujours pratique d'avoir un petit plan. Et ça fait un petit souvenir gratuit si vous le gardez propre. Avec cette belle vue là, magnifique, sur le parc. Et tout à l'heure, nous aurons Disney Illuminations. Bon, en passant par la porte fraîcheur, on va vers Casey Junior. Vous allez vous rafraîchir avec moi, ça fait du bien. Et du coup, Casey Junior, qui va nous réveiller un petit peu, ou pas. 5 minutes, Casey JR. Oh, oh, Casey, le petit train d'ici, en voiture. C'est là où on commence à dire de la déconnerie, là, en général. Moi, je suis mec, wow. Incroyable. Non, mais vous vous rendez pas compte, on a passé la journée à Avenger Campus. En gros, là, ça veut dire que Campus. C'est le petit train et nous, on est les animaux. Non, mais ça veut dire ça. T'es un tigre, en fait. Oui, mais non, on est les animaux. Non mais du coup on est un peu éclaté. La journée est assez épuisante sur le nombre de marches aussi. Ah c'est drôle comme ça. Il n'y a pas de musique. Ah oui, il y a pas de musique.
Et bien voilà, la journée à Disneyland Paris se termine, la journée spéciale Avenger Campus. Ça se voit à mon achat du jour. En tout cas, merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je le répète à chaque fois, mais ça fait plaisir pour le référencement, à commenter si vous aimez aussi. Et puis rendez-vous dans un prochain. De toute façon, je vous ai filmé Avenger Flight Force et Web. Et il y a le Astérix Vlog aussi qui arrive prochainement dans l'été. Donc voilà, merci à vous, à très bientôt. Merci Alexan. Il est même pas dans le champ. Il y a des lasers qui me disent. En tout cas, merci à vous. Salut !